Oui, le premier poulinage, c'était Netovar, une fille de Network, qui vient de nous donner justement une gagnante en obstacle avec une fille de Willy Well. Willy Well, l'étalon Jean-Pierre Gauvin, qui vient de nous donner la première gagnante de groupe 1 en obstacle avec Will River. On était au Hara, on a regardé la course à la télé. Parce que ce jour-là, il fallait qu'on fasse saillir la mer de Wild River à Willy Well. La première, il y a 10 ans, avec M. Guy Cherel, qui nous a bien aidé au niveau de l'élevage et qui nous a mis un bon coup de pied au cul. Et la seconde, avec Jean-Pierre Gauvin, chez qui on a des chevaux à l'entraînement et bien sûr bah, des étalons. La première victoire, Willy Tova. Jument qu'on a donc élevé et qu'on avait racheté dès qu'on a pu avoir nos couleurs, qui a gagné pour nous en obstacle. Plus uni, c'est plus convivial et puis pour nous, c'est plus pratique. Surtout, faites le bon choix des poulinières. Je sais que c'est difficile, mais il faut tirer le plus qu'on peut vers le haut et monter de gamme dès que possible. Moonsoon, Salder Wells. Wind of Change de Scorpion. Salé, j'aime bien manger. Tout ce qui est à base de viande. Speeder Cochon, parce qu'il marche au plafond. Je faisais du foot et j'aime bien le foot. Ouais. Avec des potes dans un bar, on a fêté ça. À la base, j'étais comptable et je travaillais dans un cabinet comptable. Être au Hara avec nos chevaux. Et on s'est lancé dans les chevaux bah, quand je l'ai rencontré. Moi, à la base, j'étais pas du tout dans le milieu. Et puis, bah, avec la rencontre, voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'élevage tous les deux. J'espère que ça va continuer et puis qu'on aura encore beaucoup de gagnants et que tout continuera comme ça.